Hey, what's up les gens, c'est Valen, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet, plutôt d'un challenge qui fait fureur aux États-Unis en ce moment. Donc c'est le Tide Pod Challenge. Donc c'est quoi ce challenge? C'est un challenge complètement débile qui vient des États-Unis, bande de fous. Non, je rigole. Du coup les gars, aujourd'hui on va parler d'un challenge, c'est le Tide Pod Challenge. Ça consiste à quoi? Ça consiste à manger des petites capsules lessives de la marque Tide Pod. Enfin, ça a commencé de la marque Tide Pod. Et ça consiste à mettre dans sa bouche, à croquer des petites capsules lessives Tide Pod qui ressemblent à ça. Donc voilà, elles sont bleues et oranges, du coup le liquide blanc et tout. Et voilà, il y a plein de jeunes qui s'amusent à faire ça, à prendre des capsules lessives dans sa bouche Tide Pod et à les croquer. Donc voilà les mecs, franchement, je fais cette vidéo non pas pour inciter les gens à le faire, mais pour dire d'arrêter, franchement les mecs. Arrêtez de faire ce challenge pourri, c'est vraiment débile, ça peut causer des gros problèmes digestifs, vous pouvez, il y a eu plein de décès à ce jour. Même des enfants qui s'amusent à faire ça, des enfants facilement influençables qui s'amusent à faire ça et qui sont décédés. Donc voilà, il y a même des adultes qui font ça, c'est-à-dire que les adultes, normalement, t'es mature, t'es conscient de ce que ça peut t'arriver, mais il y a quand même des gens cons à ce point qu'ils arrivent à le faire, comme cette personne, voilà, qui a fait un défi sur sa chaîne, vous pouvez voir qu'il est quand même âgé, c'est une personne mature, mais il a essayé de manger des Tide Pods. Qu'est-ce que ça peut faire, les gars? Ben en fait, votre système digestif n'est pas habitué à si vous voulez, à avaler ce genre de choses. Et c'est pour ça que, les gars, ça peut causer des gros problèmes digestifs du genre gastro, diarrhée, et puis après, ben, ça peut vous causer des décès si ça va trop loin. Donc je vous explique, en gros, c'est même passé sur TF1 ou au State. En gros, les jeunes, ils mettent cette capsule dans leur bouche, ils croquent. Et voilà quoi, t'as le liquide du coup, je vous le dis, ils gardent pas longtemps dans leur bouche. En plus, je trouve ça dégueulasse, c'est quoi l'intérêt? Après, ils recrachent direct, non mais c'est n'importe quoi, franchement, c'est passé sur les infos. C'est passé partout, voilà, donc le Tide Pod Challenge, franchement, les gars, arrêtez cette merde, arrêtez ces conneries, c'est n'importe quoi. Vous pouvez crever à cause de ça. Donc vraiment les mecs, c'est débile, ça n'a aucune utilité. Et en plus, donc voilà, il y a des Français qui commencent à le faire. Et comme je vous ai dit, ça peut inciter les jeunes enfants à le faire. Et du coup voilà, c'est assez chaud. Donc moi franchement, s'il y en a qui passent sur ces vidéos, ne le faites pas les gars. Et partagez au max cette vidéo pour faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter de faire ce challenge pourri. C'est, ça n'a aucune utilité et ça a aucune utilité, c'est débile. Du coup voilà, les gars, après j'ai vu une photo de Vladimir Poutine et de Trump qui s'amusent à faire ce challenge. Donc j'espère que c'est du fake parce que bon voilà quoi. Sinon là les présidents, le monde se barre en couille complètement. Et après sinon vous avez quoi, je peux vous donner des exemples. Genre après t'en as, ils mettent ça dans des nouilles, ils mettent ça dans des nouilles, ils les mangent. Après ils mettent ça dans une tarte, ils les mangent. Après qu'est-ce qu'ils font les gens? J'avais vu une photo sur Twitter, c'était How to kidnap me. En gros ça veut dire comment me kidnapper. Et tu vois, il met une cage avec un bâton et il met des Tide Pods. Ça veut dire que le mec il se montre sur internet comme une personne conne. C'est-à-dire que le mec il est attiré par des capsules lessives, bordel de merde. Expliquez-moi le bordel d'être attiré par des pouves. Les gars, c'est quoi ce défi? Il y a des jeunes qui le font, il y en a des gens qui décèdent. Bon bref, voilà les gars. Donc je vais commencer à faire, déjà peut-être, on va avoir la facecam sur ma chaîne, et je vais commencer à faire des vidéos IRL, c'est-à-dire des petites vidéos fun pendant l'été. Et voilà, je commence un petit peu, il y aura toujours du gaming, mais voilà, je commence un petit peu à aborder des sujets comme ça et tout. Bon voilà les gars, c'était pour ça, ne faites pas ce défi, franchement, du coup, voilà les gars, moi je te dis, c'était Valden, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la liker, t'abonner, commenter, moi je te dis, c'était Valden, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao les gars, allez, ciao.